Voilà, toujours à Rethel avec Schoenlager. Alors, ils vont se présenter, instrument et prénom, parce qu'on n'a pas l'image. Moi, c'est Fred, guitariste chant. Raphaël, guitariste soliste. Ska, la basse. Et c'est Flo, la batterie. Alors, les petits gars, ça fait combien de temps que ça dure maintenant ce fameux groupe? Ça commence, j'ai une paire d'années. Il y a ça qui a l'ingé son là-bas qui est en train de dire. Trop longtemps, on vieillit. 16 ans exactement. 16 ans. Ouais, 16 ans. Toujours ensemble, c'est quoi le secret? Le secret. On est des potes, hein, avant tout. Voilà, on est des copains, on fait de la bécane, on écoute de la même zig, donc voilà quoi. Voilà, ça a commencé avec les motos en fait. Ouais, un petit peu, les motos, la musique, les femmes, la bière. Ouais, le carré magique quoi. Le carré magique, le plaisir. Exactement. Alors, on vous écoutait tout à l'heure, ça envoie bien, ça claque bien. Alors, déjà, ça chante en français, ça, c'est agréable. Mmh. Ouais. C'est un choix, c'est quoi? C'est un choix. Vous ne voulez pas vous exporter aux États-Unis? Non, mais c'est parce que c'était déjà plus simple d'écrire en français, surtout pour moi, qui a une vraie bite en anglais. Ouais, donc, voilà. C'était très bien. Et puis, ouais, on est français, on est fiers de l'être, donc voilà, on chante en français. Une manière de se démarquer un peu plus aussi, parce que les chants en anglais dans le métal, il y en a pas mal. Donc, on est en France, on chante en français. C'est pas forcément plus évident. Mais bon. Voilà. Ça se passe comment le groupe? C'est le leader, c'est le chanteur ou c'est un peu, c'est une démocratie pas de leader. C'est nos femmes. c'est les leaderies. C'est-à-dire quand vous composez un morceau, ça vient comment? C'est toi qui amène les paroles, la zig vient derrière. Ouais, les paroles, elles viennent toujours à la fin. Ouais, mais on veut d'abord la musique en général. Ouais. Ah ouais, ouais, en et après, ils se démerdent. Voilà, ils se démerdent. Il y a intérêt à nous prendre un truc de bien. C'est le seul moment où ils travaillent. Exactement. Il fait la musique. On compose au local en général. On arrive avec nos idées, on balance ça tous ensemble et puis on voit ce que ça prend. Et c'est bon. Voilà. Vous êtes à quel coin? J'ai pas vu sur l'affiche. Aux alentours de Chalon. Autour de Chalon. Rhin, Chalon, les patelins autour. Dans la Marne. Ouais. Voilà la grosse région. Quoi. Ouais. La Marne. La Champagne pouilleuse. Ouais. Et ça y est, vous n'avez pas trop de problèmes pour vous retrouver, pour répéter, balancer tout le temps? Non, ça va très bien. On va à notre rythme. Hein. C'est vrai qu'on est des gars qui sont très très lents, quoi, mais c'est peut-être pour ça qu'on est encore ensemble aujourd'hui. On va doucement et puis voilà, quoi, on joue pour le plaisir. Voilà, plaisir avant tout. Voilà. Mais par contre, vous avez créé quand même une paire de galettes et puis vous avez un gesson qui vous suit bien à première vue. Oh, il se suit bien, c'est-à-dire que. Il est barré, c'est bien. Voilà. Tu parles. C'est-à-dire qu'il avait que ça à foutre ce soir. Non, on a vraiment. On a du monde autour de nous qui nous soutiennent, qui nous suivent et Fred, il en fait partie. Quand il peut, si c'est quelqu'un de très pris, quand il peut, il est là et il nous aide et voilà quoi. On a toujours enregistré chez lui aussi les trois galettes qu'on a fait dans les deux, pardon, la première, non. Et on invite les autres groupes dans la région ou même un peu plus loin à s'intéresser à son travail parce qu'au niveau du métal, il a Fred Rochette, il a de l'oreille. D'accord. Donc vous avez deux galettes et demie alors, si j'ai bien compris. Ouais, on a fait la première fois, on a fait une autoproduction avec Dédé des Natchez, hein, si les gens connaissent. Et, on a bossé un petit peu avec lui, c'est des amis qui sont de Samvel comme nous, on se voit régulièrement souvent quoi. Et puis on a fait ça avec lui et puis après on est passé un petit peu au-dessus quoi. Il nous a dit allez voir Fred, vous allez voir, il s'y connaît bien comme il faut. Et puis voilà, maintenant on reste avec lui, c'est très bien comme ça quoi. Mais finalement, c'est très bien. Voilà. C'est vrai qu'il y a le, ouais, il y a, ah, bah, il y a les dollars, hein, ouais, c'est comme tout. Voilà. Au niveau exactement. Des tournées, vous en êtes où maintenant? Bon, vous êtes ici à Soler-Rotel, après vous allez où? Parler un petit peu, ouais. Si on ne voit pas, on ne l'entend pas. Moi, je suis. je suis batteur, donc il est. Bon, ouais, non, après, non le prochain, ça doit être. Ça doit être dans notre coin, Château-Thierry, Sainte-Menou. Après, il y a Bar-le-Duc. Et dans les Vosges, j'ai une date surprise, Paris, mais on n'en dit pas plus. Oh. Ça s'exporte un peu, vous sortez un peu en Belgique, tout ça? On a été une fois en Allemagne, on a bien bu. On a dit que c'était bien. C'est-à-dire que oui, on pourrait avoir l'occasion, sûrement, mais comme j'ai dit tout à l'heure, on est assez feignant, quoi. On se fait plaisir, on joue là où on a envie, et puis on joue là où si on nous demande, on y va, quoi. Voilà, comme ça. On se prend pas le chou. On se prend pas le chou. On arrive, quoi. Voilà. Ouais. Besoin, voilà, quoi. C'est un peu ça. Exactement. Si on peut vous. Pardon ? On a notre vie à côté aussi. Donc. Ah ouais ? On peut pas tout faire. Vous ne vivez pas de votre musique ? Non ! On pas ? Bah non, on est français. C'était ça, en fait. C'était le problème, il est là. Donc vous avez un métier à côté. Ouais. Extraordinaire, ça. Vous êtes les seuls, je comprends pas. C'est pour ça qu'on parle avec toi. On est obligé. Si on veut vous suivre après le concert, Facebook. On est garé là-bas. Ouais.
Ah, c'est la voiture, on est là-bas. Tu suis la CMAX Non, sur Facebook. Facebook et Schoelegger.fr. Voilà. Il y a un site et tout. Il y a un site Facebook, tout ça. On peut racheter l'album directement sur votre site. Exactement, chez Brenius Music également. C'est Brenius qui nous distribue. Après, dans les magasins spécialisés, ventes, etc. Quoi, on le trouve partout. Ok. Voilà. Ouais. Tu tapes Schoelager, c'est pas évident à taper sur le clavier. S-H-O-E-I-L-A-G-E-R. Un jeu de mots, c'est quoi Schoelager? Ouais. Schoel, en fait, comme on était motard, Schoel, c'est les casques de moto. Ouais, c'est ce que j'ai pensé. Et Lager, c'est la bière. Ouais, comme, premier concert qu'on avait fait, c'est dans une constante. Et voilà. Constante de motard. Notre premier batteur jouait avec un casque, avec des bières de chaque côté, et on nous a appelé casque à bière. Tu reviens loin, toi. Du coup, lui, s'est coupé les cheveux. Ok, bah écoutez, je vous remercie beaucoup pour ce petit son. Bah, merci et à puis, toi. Bah, bonne continuation. Rendez-vous pour d'autres aventures. Avec plaisir. Ouais, super, nickel. Allez, ciao. Merci beaucoup. Ciao, tout le monde. Ciao. Ciao. Ciao.